Tu veux que je te raconte l'histoire du passage secret ? Ok, mais par contre, moi, je ne raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Est-ce que tu as déjà pris un passage secret ? Par exemple, un petit raccourci que toi seul connais pour aller à l'école ? Ou une toute petite rue cachée entre deux magasins qui débouche sur ton aire de jeu préféré ? C'est trop cool, les passages secrets. Mais ce n'est pas toujours facile à trouver. Il faut connaître. Et de temps en temps, en cherchant bien, on en trouve un. Comme ces scientifiques qui ont passé des années à chercher le passage secret le plus secret et le mieux caché du monde. Et ils ont fini par trouver. Tu veux savoir où il se trouve ? Je vais te dire ça dans un instant, mais juste un truc d'abord. À ton avis, que fait le dentiste lors d'une visite de contrôle ? D'abord, il vérifie qu'il n'y ait pas de caries et, si besoin, soigne les dents. Ensuite, il regarde la bonne santé des gencives. Souvent aussi, le dentiste fait un détartrage pour bien retirer toute la plaque dentaire qui a durci. Je te rappelle que la visite de contrôle chez le dentiste, c'est 2 fois par an. Je te disais que des scientifiques du monde entier ont fini par trouver, après des années de recherche, le plus secret et le meilleur passage secret du monde. Il se trouve dans l'un des plus beaux endroits de la planète, mais aussi les plus mystérieux. Ta chambre ? Pas du tout. La Grande Pyramide d'Égypte. La Grande Pyramide de Khéops est la dernière des 7 merveilles du monde antique encore debout et la plus grande des 3 pyramides du Caire. Avec des technologies de pointe, les scientifiques ont pu voir à travers les murs. Et c'est là qu'ils ont découvert un passage caché de 9 mètres de long. Tu le sais peut-être, la Grande Pyramide de Khéops n'a pas encore révélé tous ses mystères. La momie du pharaon n'a toujours pas été retrouvée, ni le trésor avec lequel il a été enterré. Il est tout à fait possible que le tunnel protège la chambre funéraire du roi Khéops, pour lequel la pyramide a été construite il y a 4500 ans. Ne reste plus qu'à trouver l'entrée du passage secret qui mènera à la momie et au trésor. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez, maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.